Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la retraite après avoir travaillé à l'étranger, les règles et les démarches. Premier webinaire organisé par le CLES en collaboration avec la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire. Vous êtes nombreux, on l'a vu de plein de pays différents, donc nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous pendant cette heure d'échange. Il va commencer par une présentation et on aura un temps d'échange de questions-réponses consacré à la fin de notre présentation. Alors, je vais me présenter. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je vais me présenter. Je suis Aurélie Brière, je suis la directrice d'affaires juridiques du CLES. Donc, le CLES, c'est le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Alors, comme son nom l'indique, c'est un organisme de liaison. C'est un organisme qui fait la liaison entre les institutions françaises de sécurité sociale et les institutions étrangères de sécurité sociale, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne ou dans le cadre des pays avec lesquels la France a un accord de sécurité sociale. Pourquoi? Pour vérifier la bonne application des textes de sécurité sociale, pour assister, pour aider les organismes dans la résolution des difficultés posées par le traitement des dossiers, que ce soit comme ce soir dans le cadre des retraites. Je vais laisser ma co-animatrice se présenter. Oui, merci Aurélie et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Virginie Barret et je travaille à la direction des relations internationales et de la conformité à l'assurance retraite, donc la retraite de base de la sécurité sociale. Merci Virginie. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Ce webinaire va se dérouler déjà en trois parties de présentation, et puis la dernière partie sera consacrée aux questions-réponses. Donc, les trois parties. Première partie, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mes années travaillées à l'étranger seront-elles prises en compte dans ma retraite? Deuxième question, comment sera calculée ma retraite et payée, comment elle sera payée? Et puis, finalement, les démarches à réaliser et auprès de quels organismes. Comment les années de travail à l'étranger sont-elles prises en compte? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, il faut distinguer d'un point de vue de la sécurité sociale deux statuts. Soit lorsque vous partez à l'étranger, vous partez travailler dans un pays à l'étranger, vous allez avoir le statut d'expatrié, vous allez avoir le statut de détaché. Le statut d'expatrié, c'est vous partez travailler à l'étranger et vous allez être affilié au régime local de sécurité sociale du pays où vous allez travailler. À la différence du statut détaché, lorsque vous êtes détaché, vous partez travailler à l'étranger et vous restez affilié au régime de sécurité sociale français. Comment vont-elles être prises, vos années travaillées à l'étranger? La situation va dépendre de l'État dans lequel vous allez aller travailler ou vous avez travaillé. Premièrement, vous avez travaillé dans un pays de l'Union européenne, dans un des États de l'espace économique européen, hein, donc Norvège, Liechtenstein, Islande ou en Suisse. Ce sont les règlements européens de coordination qui vont s'appliquer. Donc, comme son nom l'indique, hein, vous voyez bien, on parle d'une coordination, c'est-à-dire que on va coordonner les systèmes de sécurité sociale pour garantir vos droits, droits acquis, droits en cours d'acquisition, et pour pallier, du moins, pour que vous ne soyez pas désavantagé par la mobilité, par le fait que vous soyez parti travailler dans un pays de l'Union européenne ou dans l'un des autres pays, espace économique européen ou en Suisse. Ensuite, vous avez pu partir ou aller travailler dans un État ou un territoire signataire d'une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. Comme vous le voyez, la France a 41 accords conclus avec des pays hors convention, hors Union européenne. Donc, ça représente un certain nombre d'accords, hein. La France a un large champ d'application sur le monde entier. Donc, on a des convention bilatérale de sécurité sociale, et nous avons des décrets de coordination avec les collectivités d'outre-mer. Ensuite, vous avez pu travailler dans un État qui n'a pas signé d'accord avec la France. La France travaille toujours à la négociation de nouveaux accords, mais il y a encore des États avec lesquels la France n'a pas conclu d'accord. Et puis, vous avez travaillé, vous allez travailler au Royaume-Uni. Comme vous le savez, depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Il est devenu un État tiers à l'Union européenne. Donc,
toujours avec un statut particulier puisque c'est le Royaume-Uni, et bien pour garantir les droits des travailleurs en mobilité au Royaume-Uni, il y a aussi des textes qui ont été signés avec l'Union européenne, l'accord de retrait et puis l'accord de commerce et de coopération. Voici les textes qui vont régir votre situation au regard de la prise en compte de vos années travaillées à l'étranger. Alors, là, sur cette diapo, vous voyez la carte du monde et tous les pays qui sont concernés soit par les règlements européens ou les conventions bilatérales de sécurité sociale, conventions bilatérales ou décrets de coordination. Je vous la laisse juste un petit instant pour que vous puissiez bien regarder et que vous voyez bien que la France a un nombre important d'accords de sécurité sociale et elle est toujours en mouvement et en action avec les partenaires étrangers pour conclure de nouveaux accords qui permettront bien évidemment une garantie des droits à nos assurés. Alors, si vous avez été travailleur expatrié, donc vous êtes parti travailler à l'étranger, vous avez travaillé en France, comment vos années vont-elles être prises en compte? Vous avez travaillé dans un pays de l'Union européenne ou dans un État de l'UE ou en Suisse, ou vous avez travaillé dans un pays avec lequel la France a une convention de sécurité sociale avec la France. Là, je peux vous rassurer, il y aura une totalisation des périodes de vos activités à l'étranger. Je vais vous donner un exemple. Vous avez travaillé en France, vous êtes parti travailler en Allemagne, il y aura une totalisation de vos périodes d'activité en France et en Allemagne. Vous avez travaillé en France, vous êtes parti travailler au Brésil, il y aura une totalisation des périodes France-Brésil en application de l'accord franco-brésilien de sécurité sociale. Première situation, donc totalisation des périodes. Deuxième situation, vous avez travaillé, donc on va reprendre l'exemple, vous avez travaillé en France et en Allemagne, dans un pays des règlements européens, et puis vous avez travaillé également dans un pays en convention de sécurité sociale avec la France, ou vous avez travaillé au moins dans deux pays avec la France, avec lesquels la France a une convention de sécurité sociale. Alors, le principe, on dit qu'il n'y a pas de totalisation des périodes sauf exception. Alors, déjà, je vais expliquer le principe et je reviendrai sur l'exception. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de totalisation des périodes? Puisque, comme son nom l'indique, ce sont des accords. Et les accords lient les parties entre elles. Donc, si vous avez travaillé, je donne un exemple, en Allemagne, en France et en Argentine, il n'existe pas un accord France-Allemagne-Argentine. Il existe un accord France-Allemagne, qui sont les règlements européens de coordination, donc on applique la coordination dans le cadre de l'Union européenne, et puis il y a un accord France-Argentine. Donc, on appliquera les deux accords, c'est-à-dire qu'on va calculer vos pensions sur la base de ces deux accords et on vous servira le montant le plus élevé, mais il n'y aura pas une totalisation du tout. Pareil, si vous avez travaillé en France, en Argentine et au Chili, donc vous voyez, la France a un accord de sécurité sociale avec l'Argentine, un accord de sécurité sociale avec le Chili, mais ce sont des accords qui lient les parties. L'accord franco-argentin lie la France et l'Argentine, l'accord franco-chilien lie la France et le Chili. Il n'y aura pas une totalisation de toutes les périodes puisqu'il n'y a pas une convention entre France, Argentine, Chili. Alors ça, c'est le principe. Et je vous ai mis, vous voyez, il y a marqué « sauf exception ». Pourquoi? Puisque dans les dernières conventions, on voit bien que le monde évolue et on voit bien que les gens sont de plus en plus mobiles et qu'ils vont de plus en plus de pays. Donc, les derniers accords de sécurité sociale prévoient la prise en compte des périodes qui sont accomplies dans un État tiers, c'est-à-dire un État qui a également une convention de sécurité sociale avec les deux pays partis à l'accord. Je vais vous donner un exemple pour un peu plus être concret. Vous avez travaillé en France, au Brésil et en Allemagne. Dans ces trois pays, il y aura une totalisation de toutes les périodes en application de l'accord franco-brésilien. Je m'explique. Vous avez travaillé en France et au Brésil, on applique l'accord franco-brésilien. Et on sait que vous avez travaillé en Allemagne. L'accord franco-brésilien prévoit la prise en compte des périodes en Allemagne. Pourquoi? Parce que
la France et l'Allemagne, ils ont les règlements européens de coordination ensemble et il existe une convention franco-allemande. Donc, dans ce cas-là, il y aura une totalisation de toutes les périodes France, Brésil, Allemagne. Donc, on va vers une, comment dire, une clientélérisation des périodes, on va pour plus de totalisation des périodes, et c'est très bien, parce que c'est une meilleure garantie de vos droits et de la prise en compte de vos périodes. Donc, ça, c'est dans les cadres des dernières conventions, c'est d'une des conditions de négociation des dernières conventions de la France avec les partenaires étrangers. Donc, ça, c'était la deuxième situation. Troisième situation, vous êtes parti dans un pays où il n'y a pas de convention bilatérale de sécurité sociale. Hein. Donc, comme vous l'avez vu dans la carte que je vous ai montrée précédemment, il y a encore un certain nombre de pays qui sont sans convention. Hein. Je peux vous en citer l'Australie, par exemple, puisque c'est, c'est une question qui nous est fréquemment posée lors de nos permanences téléphoniques au CLES ou par mail. Et donc, effectivement, à ce stade, il n'y a pas encore de convention avec l'Australie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de totalisation de vos période à ce stade, hein, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, hein, il n'y a pas de totalisation de période si vous avez travaillé en France et en Australie. Nous, on calculera votre retraite en fonction des périodes travaillées en France. L'Australie, de son côté, je mets des guillemets parce que je ne veux pas parler au nom de l'Australie, mais pourra éventuellement vous calculer une pension en fonction des périodes travaillées en Australie si ces périodes permettent la liquidation d'une pension. Mais il n'y aura pas une totalisation France-Australie à l'heure où je vous parle. Et comme je vous l'ai dit, on essaye de négocier de nouvelles conventions, donc on est toujours en mouvement. Et puis, la dernière situation, vous avez travaillé au Royaume-Uni. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Royaume-Uni est devenu un État tiers à l'Union européenne hein, depuis son retrait. Mais même s'il y a eu le retrait, l'Union européenne a négocié avec le Royaume-Uni une protection des travailleurs, des assurés qui ont fait de la mobilité au niveau du Royaume-Uni et en France. Et il y aura une totalisation des périodes, que ce soit dans le cadre de l'accord de retrait ou dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération. L'accord de retrait, pour votre information, qui régit la période du 1er février 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, et l'accord de commerce et de coopération qui a pris la suite à compter du 1er janvier 2021. Je vous ai présenté donc les situations lorsque vous étiez travailleur expatrié. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un deuxième statut, un travailleur détaché. Le travailleur détaché, contrairement au travailleur expatrié, il va travailler à l'étranger, mais lui, il reste affilié au régime de sécurité sociale. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous avez travaillé en France à l'étranger tout en restant affilié au régime de sécurité sociale, c'est comme si vous n'aviez pas quitté le territoire français et donc votre retraite sera calculée en législation française avec vos périodes d'activité en France à l'étranger, mais en étant resté au système français, resté affilié au système français. Voilà, je vous ai présenté les textes d'application, les différentes situations sur la prise en compte de vos périodes d'activité à l'étranger. Je vais laisser la parole à Virginie, qui va vous expliquer, préciser comment cette retraite est calculée et comment elle est payée. Donc, je laisse la parole à Virginie. Merci Aurélie. Donc, je vais reprendre le PPT. Voilà. Donc, oui, je vais vous parler des modalités de calcul et de paiement de la retraite. Alors, tout d'abord, voilà, c'est une petite slide pour présenter le calcul d'une retraite. Voilà, on prend la moyenne des 25 meilleures années, on multiplie par un taux qui peut varier, donc le taux maximum est celui de 50%, sera multiplié par voilà, la durée d'assurance effectuée par l'assuré, divisée par la durée d'assurance nécessaire à sa génération. Et par rapport à cette méthode de calcul, donc, pourront être prises en compte les périodes effectuées dans les pays dont Aurélie vous a parlé, donc les pays en convention ou les États membres de l'Union européenne, qui vont pouvoir influencer ce calcul, soit pour le taux, améliorer le taux, donc en prenant en compte
Voilà, toutes ces périodes effectuées, vous pourrez obtenir un taux maximum. Et exactement, ça va fonctionner pour la durée d'assurance. Ça dépend bien sûr du texte. Ça dépend si la convention ou les règlements vous sont applicables. Il y a un certain nombre de conditions à satisfaire. Et en fonction de la convention, le calcul ne sera pas le même. Alors, à savoir que la retraite française du régime général est exportable, c'est-à-dire que quel que soit votre pays de résidence, elle pourra vous être payée. À noter cependant que certains pays n'exportent pas leur pension. Il faut pour cela que la convention soit applicable dans le calcul de la retraite pour qu'elle soit également exportable. Si la convention ne s'appliquera pas, par exemple, non, on ne pourra pas... Le pays refusera d'exporter sa retraite. C'est notamment le cas pour Israël. Et il y a certains États qui exigent la résidence sur leur territoire pour pouvoir toucher la retraite. C'est notamment le cas de l'Australie qui n'exportera pas sa retraite. Donc, si vous avez travaillé en Australie et que vous résidez désormais en France, vous ne pourrez pas toucher votre retraite australienne. C'est à noter parce que ça peut avoir des conséquences plus tard sur votre retraite. Alors, pour les démarches à réaliser auprès des organismes, comment déposer sa demande de retraite? Alors, il faut déjà préciser que la retraite n'est pas accordée automatiquement. Il faut en faire la demande. Et ça va dépendre de votre résidence au moment de cette demande de retraite. Alors, si vous résidez en France, vous faites votre demande de retraite auprès en ligne, par exemple, sur le site de l'assurance retraite. Vous pouvez créer votre espace personnel. À partir de cet espace personnel, vous pouvez faire votre demande de retraite ou télécharger le document et nous le renvoyer par courrier. Vous avez cette modalité. Ou vous pouvez prendre rendez-vous et faire votre demande auprès de la caisse régionale de laquelle vous dépendez. Si vous résidez dans un pays qui est lié par la France, par une convention internationale de sécurité sociale ou un pays qui est couvert par les règlements européens de coordination, à ce moment-là, vous pouvez faire la demande directement auprès de l'organisme compétent de cet État. Il faudra bien indiquer dans ces cas-là que vous avez travaillé en France pour qu'on puisse avoir des échanges de formulaires entre la France et le pays dans lequel vous avez également travaillé. C'est le cas aussi quand vous faites votre demande en France. Indiquez bien que vous allez travailler dans d'autres États pour qu'on puisse assurer ces liaisons avec votre pays. Si l'État dans lequel vous résidez, il n'y a pas de convention ou qu'il n'est pas couvert par les règlements européens de coordination, à ce moment-là, vous pouvez faire votre demande directement en ligne, comme je vous l'ai expliqué précédemment, en vous connectant sur le site de l'assurance-retraite.fr. Ou en téléchargeant le formulaire de demande sur notre site et en nous renvoyant papier. Percevoir la retraite à l'étranger. Il est important, si vous souhaitez passer votre retraite à l'étranger, de le signaler aux organismes de retraite qui vous la versent. C'est important de faire tous vos changements d'adresse, alors qu'ils peuvent se faire par courrier, auprès des organismes de retraite cette retraite et également tout changement de coordonnées bancaires. Lorsque vous serez à l'étranger et que vous toucherez votre retraite, il faudra chaque année effectuer une démarche administrative très importante qui est de compléter un certificat de vie ou justificatif d'existence qui va vous être adressé soit par courrier, soit directement par mail. Donc ça, c'est selon la modalité, c'est un choix de modalité qui vous est offert. Donc, soit vous le recevrez de manière dématérialisée sur votre mail ou par courrier en fonction de ce que vous souhaitez. Il est important de faire compléter ce document par une autorité locale compétente en matière d'état civil. Et pour vous faciliter, en fonction de votre pays de résidence, savoir quelle autorité locale est compétente pour pouvoir le faire, vous pouvez aller sur le site de l'assurance-retraite.fr. Vous avez une petite carte interactive et en fonction de votre pays de résidence, vous verrez toutes les autorités locales qui peuvent compléter ce document. Il est important de le retourner vraiment dans les délais pour pouvoir continuer à percevoir votre retraite.
Si vous avez une difficulté par rapport à ce document, à le compléter, vous ne recevez pas ou vous avez des difficultés par rapport au service en ligne, il y a une assistante téléphonique qui est dédiée pour ces questions-là. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche sur la slide. Ce service est ouvert donc, du lundi au vendredi de 8h à 17h. Voilà, vous pourrez poser, voilà, si vous avez quelques difficultés, poser toutes les questions via cette ligne téléphonique. Qu'en est-il de la retraite complémentaire? Là aussi, hein, la retraite complémentaire, comme la retraite de base, n'est pas versée automatiquement. Dans le cas de si vous avez travaillé en France et dans un État où il y a une convention internationale de sécurité sociale, il n'y a pas d'automaticité et d'échange entre le régime général et les retraites complémentaires, parce que les retraites complémentaires ne sont pas partie de cette convention internationale. Donc, il va falloir faire une demande auprès de l'assurance retraite et également faire une demande directement auprès de l'AGIRC-ARRCO ou auprès du GIP Union Retraite. Si on est dans le cadre des règlements européens de coordination, dans le sens Union Européenne-France, et si la résidence est à l'étranger, la demande de l'état de résidence sera directement transmise à l'AGIRC-ARRCO. Donc, nous, une fois qu'on aura reçu le formulaire de l'État dans lequel vous avez travaillé, par exemple l'Allemagne, nous allons recevoir ce formulaire et il y aura une transmission automatique auprès de l'AGIRC-ARRCO. Par exemple, par contre, si vous résidez en France, il faudra bien formuler votre demande auprès de l'assurance retraite de base et également auprès de l'AGIRC-ARRCO. Donc, vous pouvez avoir toutes ces informations sur leur site internet respectif. On va peut-être commencer à répondre aux nombreuses questions qui nous sont posées par les internautes. Aurélie, je te laisse la primeur. Oui, merci. Je vois que, comme dit Virginie, je vois que les questions sont nombreuses. Donc, on va essayer d'y répondre le plus largement possible à un plus grand nombre de questions, en essayant de pouvoir, en répondant à une question, balayer un certain nombre de situations pour toutes les personnes qui sont connectées, vous êtes nombreux. Donc, je vais commencer à prendre une première question. Alors, première question, quelle est la démarche pour faire valider les trimestres qui correspondent à 2 ans et demi de travail en Irlande? Donc, la personne a travaillé d'octobre 2000 à juin 2003, c'est bien précis. Elle a tous ses bulletins de salaire. Elle vient de recevoir un relevé de carrière où ces 2 années et demi n'apparaissent pas. Alors, première chose, je vais rassurer cette personne. Effectivement, les années travaillées à l'étranger apparaissent sur le relevé de carrière au moment du calcul de la, comme on dit dans le jargon, de la liquidation de la retraite. Donc, cette personne-là, elle ne me dit pas si elle réside en France ou en Irlande, en tout état de cause. Si elle réside en Irlande, elle ira déposer sa demande de retraite à l'organisme de son lieu de résidence et elle précisera qu'elle a travaillé au Royaume-Uni et également en France et inversement si elle réside en France, elle déposera sa demande son lieu de résidence donc à la caisse de retraite de son lieu de résidence, caisse de retraite de son dernier régime d'affiliation hein, donc le régime général ou un autre régime et elle fera bien qu'elle précise qu'elle a travaillé en France et en Irlande et ce seront ces institutions qui feront la liaison, hein, c'est-à-dire qu'ils enverront des formulaires de liaison pour les échanges de carrière et pour le calcul de la retraite. Voilà, donc elles seront bien prises en compte et il faut bien qu'elles déposent ces demandes en précisant bien là où elle a travaillé, donc le pays, Irlande et France. Je vais laisser la parole à Virginie pour la deuxième question. Oui, alors, deuxième question. J'ai une question de Laurence qui demande à quel moment il faut contacter la caisse de retraite. Donc, l'idéal est de contacter la caisse de retraite au moins 6 mois avant le point de départ de celle-ci pour qu'on justement il puisse avoir tous ces échanges avec les organismes. Par exemple, si vous avez travaillé en France et aux États-Unis, voilà, déposez bien votre demande si vous voulez prendre votre retraite au 1er juillet 2022. Je pense qu'il faut commencer à déposer votre dossier. Comme ça nous permettra, au moment de la demande, vous nous aurez indiqué que vous avez travaillé aux États-Unis. On pourra faire les liaisons et envoyer les formulaires aux États-Unis. Nous pourrons avoir le temps de commencer à nous répondre et pour calculer
le plus au moment où vous souhaiterez prendre votre retraite, voilà, on puisse avoir les périodes effectuées dans cet autre pays. Je vais prendre la suite. Alors, bonjour, je n'ai pas compris expatrié contre détaché. Ah, je vais réexpliquer. Si on travaille avec un contrat local dans le pays européen, mais jamais travaille en France, ça marche aussi. Alors, je vais réexpliquer les notions. Lorsque vous êtes expatrié et que vous allez travailler à l'étranger, ça veut dire que vous allez être affilié au régime local de sécurité sociale du pays dans lequel vous travaillez. Je donne un exemple, vous partez travailler au Brésil. J'aime bien le Brésil, apparemment, je parle beaucoup de Brésil. Vous partez travailler au Brésil, donc vous allez être affilié au régime brésilien. Ces périodes, elles seront prises en compte par le régime brésilien selon la législation brésilienne pour le calcul de la retraite au moment de la retraite au Brésil. Si vous avez travaillé également en France, là, il y a un accord franco-brésilien, et donc là, il pourra y avoir application de cet accord franco-brésilien et totalisation des périodes. Par contre, si vous n'avez travaillé que au Brésil, dans le régime, au pays dans lequel vous avez été affilié au régime local, et bien là, il n'y aura qu'une pension du Brésil éventuellement. Il n'y aura rien de la France. Pour qu'il y ait une coordination et une totalisation des périodes, il faut bien sûr que vous ayez travaillé et en France et dans un pays, soit de l'Union européenne, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ou soit avec un accord de sécurité sociale. À la différence, lorsque vous partez en tant que détaché, hein, vous allez également travailler dans un pays de l'Union européenne, dans un pays étranger. Là, vous restez affilié au régime de sécurité sociale français. C'est ce qu'on appelle une dérogation à ce qu'on appelle un principe qu'on appelle le principe d'unicité de la législation. Normalement, quand on parle de principe d'unicité, c'est que vous êtes affilié au régime de sécurité sociale du pays où vous travaillez, sauf dans le cas d'un détachement où là, vous restez affilié au régime de sécurité sociale du pays d'envoi. Voilà, j'espère avoir bien répondu à la question et je vais laisser la parole à Virginie pour la prochaine question. Merci Aurélie. Donc, j'ai une question d'Éric qui demande quels sont les documents à conserver pour les années travaillées à l'étranger dans un pays qui a une convention de sécurité sociale avec la France, pour que ce soit pris en compte. Alors, après, ça va là. Les documents à conserver des périodes effectuées à l'étranger hein, dépendent un peu du pays dans lequel vous avez travaillé. Ça dépend de leur législation. En France, c'est les bulletins de salaire qui sont importants. Dans un pays étranger, ça peut être différent. Mais ce qui est important de savoir avec cette question, Benoît, c'est que quand au moment de votre demande de retraite, quand vous allez nous dire j'ai travaillé en Allemagne, nous, on va se mettre directement, vous n'aurez qu'une demande à faire en France. Vous nous dites que vous avez travaillé en Allemagne. À ce moment-là, nous, on va envoyer les formulaires à l'Allemagne en disant voilà, monsieur un tel, Benoît, a travaillé chez vous. Et il va y avoir des échanges. C'est eux qui vont nous envoyer la carrière que vous aurez effectuée là-bas. Il y aura peut-être une activité salariée, peut-être un peu de chômage dans le pays dans lequel vous avez résidé, ou des périodes de maladie. Donc c'est vraiment l'État qui va nous transmettre toutes ces informations que nous on va prendre en compte dans le calcul de notre future retraite. Donc, les documents à conserver, c'est à peu près, on va dire, ce qui se passe en France ou ce que la législation de l'autre État va exiger. Généralement, c'est. On va dire le document commun va être le bulletin de salaire, donc ça va être tout ça, et puis après, ça peut avoir des certificats de travail ou autre. Donc, tout document prouvant que vous avez travaillé sont à conserver. Je te laisse la parole pour une autre question. Alors, je vais prendre une question de Wissam qui a posé deux questions et qui sont très intéressantes parce qu'elles sont liées. Alors, la première question, c'est, on me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par totalisation des périodes. Oui, parce que c'est peut-être un jargon, effectivement, il faut qu'on explique. Alors, totalisation des périodes, ça veut dire que lorsque vous avez travaillé en France, et par exemple, on va prendre un exemple dans l'Union européenne, dans un des pays de l'Union européenne, on va totaliser les périodes, c'est-à-dire qu'on va les additionner. Alors, on va additionner quoi? On additionne les périodes, on n'additionne pas les salaires, voilà, on additionne des périodes. C'est-à-dire que pour les calculs de la retraite, on va demander à l'État étranger qui nous communique les périodes qu'il a validées selon sa législation
Alors, ça va être des périodes qui vont être exprimées soit selon le pays en semaines, soit en mois, soit en années, comme en France, soit en trimestre. Je prends un exemple. Vous avez travaillé en France et en Allemagne. Vous avez un certain nombre de trimestres en France. Vous indiquez à l'organisme français que vous avez également travaillé en Allemagne. L'institution française va contacter, va envoyer un formulaire de liaison de demande de pension plus un relevé de carrière français et essayer d'obtenir, enfin, essayer obtenir le relevé de carrière de l'Allemagne. Et l'Allemagne va communiquer les périodes d'activité en Allemagne, c'est-à-dire qui ont été validées selon sa législation, c'est-à-dire les mois que vous avez travaillé en Allemagne. Alors là, vous allez me dire, bah, d'un côté, on a des trimestres, d'un côté, on a des mois. Et bien, dans les règlements européens de coordination, on a des règles de conversion de période, c'est-à-dire que les mois qui seront communiqués par l'Allemagne vont être convertis en trimestre pour que vous ayez une durée en trimestre totale France-Allemagne. Virginie pourra peut-être réexpliquer plus en détail, parce qu'elle vous l'a expliqué, mais elle réexpliquera à l'occasion d'une question, je suppose, le calcul de la retraite avec la prise en compte des périodes, que ce soit dans les règlements européens ou dans les conventions. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer la totalisation des périodes, qui est une addition hein, des périodes. Et puis donc, je poursuis sur la question de Wissam, puisqu'il me dit qu'il a travaillé en Espagne et en Allemagne et en France. Oui, dans ces cas-là, il y aura une totalisation et des périodes travaillées en France et en Espagne et en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on applique les règlements européens de coordination et les règlements européens de coordination, le champ d'application, ce sont les pays de l'Union européenne. Donc, l'Espagne et l'Allemagne, donc il y aura bien une totalisation des périodes accomplies dans ces trois pays. S'il avait travaillé en Belgique, eh ben, on aurait additionné également les périodes communiquées par la Belgique. Toujours les périodes communiquées par l'État, enfin par l'État membre, selon sa législation. Ça, c'est bien important. Je relaisse la parole à Virginie. Merci. Alors, j'ai une question de Béatrice, qui, justement sur le délai de demande de la retraite. La demande intervenant 6 mois avant la prise de la retraite, à qui adresse-t-on la demande si on veut rentrer en France au moment de sa retraite? Donc, 6 mois après avoir fait sa demande. Alors, Béatrice, dans ces cas-là, enfin, au moment où vous souhaitez votre retraite, donc si vous résidez dans le pays avec lequel, dans lequel vous allez travailler, pardon, et c'est bien à ce moment-là, dans ce pays de résidence, où vous résidez toujours, qui voudra faire votre demande. Il faudra juste indiquer que vous allez travailler en France. Et au moment où, même si vous rentrez en France à ce moment-là, il faudra juste faire les modifications d'adresse et coordonnées et bancaires et éventuelles auprès d'État de résidence, votre ancien État où vous avez résidé, et en France, en leur expliquant que vous rentrez en France pour passer votre retraite. Donc, c'est vraiment au moment où vous faites votre demande, donc votre lieu de résidence, si vous allez prendre votre retraite en 2022, mais que pour l'instant vous êtes encore dans votre pays d'expatriation, c'est depuis votre pays d'expatriation que vous devez faire votre demande. Aurélie, pour la suivante. Oui, alors, deux mois, il est. Avec le micro, c'est mieux. Merci Virginie. Donc, je répète. Donc, je prenais la question de Benoît. Benoît nous pose une question. Il est retraité en France à 62 ans et puis en Italie à 67 ans. Qui demande la retraite italienne à 67 ans? La CNAV. Ah, ben, on va poser la question à Virginie, mais on peut la répondre. Ou la personne elle-même. Alors, comme vous voyez, effectivement, comme vous le savez, les États de l'Union européenne ont des âges de départ à la retraite qui peuvent être différents selon la législation du pays. En France, on part à l'âge légal, donc l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, mais dans un certain pays européen, l'âge de départ à la retraite, l'âge légal, est plus tardif et peut être 67 ans, comme l'indiquait Benoît, par exemple, en Italie. Il a pu bénéficier effectivement de sa retraite à 62 ans, hein, au moment de son départ à la retraite. Il n'avait pas l'âge donc pour partir à la retraite enfin l'âge pour partir à la retraite en Italie, puisque l'âge légal de départ à la retraite en Italie était plus tardif.
au moment où il va remplir la condition d'âge, c'est pas lui qui va aller, il va aller, oui, il va aller déposer sa demande alors, auprès de l'organisme. Alors là, il ne me dit pas où il réside, Benoît. Hein. Il ne me dit pas s'il réside en France, il ne me dit pas s'il réside en Italie. S'il réside en France, il va aller à la CARSAT, enfin, du moins à la caisse de retraite de son dernier lieu d'affiliation, donc de sa résidence. Donc si c'est, il a travaillé au dernier lieu en régime général, eh bien, il ira à la CARSAT de son lieu de résidence et donc il déposera, il demandera que la CARSAT intervienne auprès de l'Italie pour la liquidation de sa retraite italienne. Et là, évidemment, s'il y a des périodes qui n'ont pas été prises en compte au moment de la retraite française, ou si Benoît, lorsqu'il a bénéficié de sa retraite à 62 ans, n'avait pas de taux plein, il y aura une révision côté français de la retraite. Et puis, bah, la France fera la démarche auprès de l'organisme italien pour que l'organisme italien puisse calculer la retraite en application des règlements européens de coordination, la retraite au niveau du régime italien. Il y aura, bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une totalisation des périodes et un calcul de la retraite, une totalisation qui chacun calcule là, sa part de retraite, que ce soit en France et en Italie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du remplissage de la condition d'âge, il faut s'adresser soit à l'organisme français si vous résidez en France, à l'organisme italien, et ce sont les institutions qui font les démarches auprès des autres institutions des États membres pour le calcul de la retraite. Je laisse la parole à Virginie. Merci Aurélie. Alors j'ai une question de Corinne et ça permettra de compléter les modalités de calcul que tu as expliquées tout à l'heure Aurélie. Corinne nous demande s'il existe une décote qui est appliquée aux années de travail à l'étranger et entre parenthèses Europe. Alors Corinne, il n'y a pas de décote justement parce que si vous avez travaillé dans le cadre de l'Union européenne, dans un État membre de l'Union européenne, il y a une coordination qui se fait. Et par rapport à au calcul que je vous ai montré dans le slide et que vous pourrez retrouver après, on va prendre ces périodes effectuées dans un pays européen, on va pouvoir les prendre en compte pour votre durée d'assurance et le taux également. Donc, il n'y a pas de décote, justement. Et c'est tout l'objectif de la mobilité européenne, hein, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'aller travailler dans différents États membres de l'Union européenne, mais que cette mobilité ne crée pas des conséquences négatives sur leur futur droit à retraite. Donc vraiment, cette coordination permet, dans le calcul de votre retraite, de prendre en compte ces périodes qui vont donc être transmises par le pays dans lequel vous avez travaillé. Donc, par exemple, on va dire l'Espagne, vous allez travailler en Espagne, on va se mettre en relation avec l'Espagne, et l'Espagne va nous transmettre toutes ces périodes, et on va les prendre telles qu'elle nous les a transmises, parce elle va les établir en fonction de sa législation. Et nous, on les prend telles quelles, et on les prend pour faire le calcul de votre future retraite. À savoir aussi, c'est qu'au moment du paiement, c'est que chaque État va payer sa part de retraite qui lui incombe. C'est-à-dire que nous, on va faire notre calcul en prenant en compte ces périodes et on va faire une proratisation, c'est-à-dire qu'on va payer que les périodes effectuées en France. Et l'autre État dans lequel vous avez travaillé va lui-même payer sa part de retraite qui vous est due. Je te laisse la suite. Oui. Alors, Caroline me demande si la Suisse est considérée comme un pays européen pour le calcul ou la totalisation des périodes. Alors, je vous en ai parlé au début de la présentation. Alors, la Suisse n'est pas un pays européen, mais la Suisse est un pays qui applique les règlements européens de coordination. Hein. Il y a un accord Suisse-Union européenne dans lequel on applique il y a une reprise hein, des règlements européens de coordination. Et donc, effectivement, si vous avez travaillé en France, en Suisse, donc il y aura une totalisation France-Suisse. Et si vous avez travaillé en France, en Suisse et dans un État membre, dans un État de l'Union européenne, par exemple le cas du Portugal ou de l'Italie, par exemple, eh bien, il y aura une totalisation des périodes France-Portugal-Suisse, France-Portugal-Suisse-Italie. En application des règlements européens de coordination. Donc, ce n'est pas un pays européen, mais c'est un pays où on applique les règlements européens de coordination. On laisse la parole à Virginie. Merci. Alors, j'ai une question de Daniel. Alors, j'espère bien comprendre la question.
On parle de notion de perception de la retraite. Est-ce que c'est lié à la domiciliation physique ou bancaire? Alors, c'est ce que j'ai expliqué, peut-être pas assez bien, donc je vais peut-être expliquer. C'est que quel que soit votre pays de résidence, vous pourrez toucher votre retraite. C'est-à-dire que vous avez travaillé en France toute votre carrière et vous avez décidé d'aller passer votre retraite en Grèce. Votre retraite est totalement exportable. Alors, soit vous changez également ce changement de domicile, vous conduit également à changer vos coordonnées bancaires. Il faudra juste bien nous transmettre toutes ces informations. Votre changement de domicile, votre nouvelle adresse et vos nouvelles coordonnées bancaires pour continuer à percevoir votre retraite. Par contre, si vous décidez de conserver un compte bancaire en France, ce qui est possible, bien vous continuerez à toucher votre retraite en France. Par contre, vous pouvez avoir une domiciliation à l'étranger. Et voilà. Donc, il n'y a pas de... La perception de la retraite, c'est parce que vous allez vivre à l'étranger ou vous changez vos coordonnées bancaires. Donc, voilà. En fonction de ça, il faut que nous, on ait les informations de votre déménagement pour pouvoir continuer à percevoir. Parce que si vous changez de banque, il faut nous avertir pour continuer à toucher cette retraite. Et important, et j'insiste parce que c'est une modalité importante, chaque année, si vous résidez à l'étranger, vous devrez nous compléter le fameux certificat d'existence pour pouvoir continuer à toucher votre retraite depuis votre nouveau pays de résidence. Alors, je reprends la main. Alors, je vais essayer de répondre à deux questions parce que je vais essayer de les lier comme ça. On permet de répondre à plus de questions. Alors, j'ai une question sur le CLES. Donc, je ne sais pas. Placé pour en parler. Est-ce que le CLES est un service payant? Alors, non. Le CLES n'est pas un service payant, donc je vais expliquer très brièvement et rapidement ce qu'est le CLES. Le CLES, donc Centre des liaisons européennes internationales de sécurité sociale, c'est un organisme de sécurité sociale. Hein. Il est placé sous double tutelle du ministère de la sécurité sociale et du budget, donc c'est un organisme de sécurité sociale, hein, c'est pas payant. Et il est en lien direct, hein, comme je l'ai dit, avec les institutions françaises de sécurité sociale, hein, comme la Caisse nationale d'assurance vieillesse, d'où la présence de Virginie à mes côtés, ou avec la Caisse nationale d'assurance maladie française et d'autres organismes de sécurité sociale français, et des organismes de sécurité sociale, des partenaires français. Quand je dis partenaires, c'est parce qu'il y a les règlements européens de coordination ou parce qu'il y a un accord de sécurité sociale. Donc, le CLES fait cette liaison. Le CLES, là, il est important dans la communication parce qu'il y a un site, on vous en parlera d'ailleurs à la fin de notre présentation, il y a un site du CLES, c'est le site www.cles.fr où vous pouvez retrouver un grand nombre d'informations sur la mobilité internationale en matière de sécurité sociale. Vous avez différents onglets qui sont spécialisés pour les particuliers, les employeurs, vous avez de la documentation sur les textes qu'on vous a présentés avec Virginie sur le calcul de la retraite. Enfin, là, vous pouvez retrouver une mine d'informations. Et je vais donc rebondir sur la question d'Agnès qui me demande s'il y a un accord entre la France et le Canada pour la retraite. Elle a travaillé 6 ans de travail en France et 24 ans au Canada, donc je vais lui dire oui, il y a un accord de franco-canadien. Et en plus, cette information sur tous les accords qui sont conclus par la France avec le CLES, vous les avez, ces informations, sur notre site du CLES, puisque vous avez une documentation où vous avez même un document qui vous liste tous les accords de sécurité sociale que la France a conclus avec nos partenaires étrangers. Voilà, donc j'ai répondu à deux questions en une, hein. Comme ça, on peut permettre de répondre à plus de questions. Bravo Aurélie, quel exercice. Alors, moi, j'ai une question de Patoub. Est-ce que le montant de la retraite varie suivant le pays où l'on fait la demande? Alors, Patoub, non, ça dépend pas. Le montant ne va pas varier en fonction du pays dans lequel vous faites la demande, puisque on va faire le calcul en fonction de vos périodes effectuées en France et dans le pays avec lequel il y a une convention ou des règlements européens de coordination. Cependant, donc le montant sera le même, on va prendre les mêmes modalités de calcul. Cependant, à bien noter, par contre, si vous résidez dans un pays étranger, on va vous verser votre retraite sur un compte bancaire à l'étranger, il peut y avoir des frais bancaires qui sont impliqués, notamment qui peuvent être assez élevés dans certains pays. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête parce que ça peut avoir des conséquences sur ce montant. C'est ça qui va peut-être varier votre montant de retraite, mais pas, non, le calcul reste le même, le montant restera le même. Mais après, ce sont des modalités bancaires et ce sont les banques qui peuvent appliquer les frais qui peuvent être plus ou moins importants en fonction de la banque. Voilà.
si j'ai bien compris la question de Patoum. Alors, je reprends la main. Alors, j'ai Sylvain, c'est une question qui me plaît bien. J'ai Sylvain qui indique que malgré les règlements européens, les règles d'accès à la retraite sont différentes. Âge légal de départ à la retraite, nombre de trimestres, minimum, etc. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les règlements européens, ce sont des règlements de coordination. On coordonne les régimes de sécurité sociale, il n'y a pas d'harmonisation. Donc, effectivement, les âges de départ à la retraite peuvent être différents, les nombres d'années pour ouvrir droit également. Par exemple, en France, vous avez un trimestre, vous ouvrez droit à une pension. Dans certains pays, il faut une durée minimum de durée d'assurance pour avoir une retraite. Mais justement, même s'il n'y a pas d'harmonisation des règles de législation, il y a une coordination. Et cette coordination, elle permet de vous protéger, de garantir vos droits. Par exemple, pour l'âge de départ à la retraite, même si vous avez des âges de départ différents, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez pouvoir liquider votre retraite française à l'âge légal de 62 ans, vous liquiderez votre retraite à l'âge de départ dans l'autre pays plus tardif à 67 ans, mais pour autant, il y aura une totalisation des périodes et il pourra y avoir une révision de votre pension française si on s'est aperçu qu'au moment de liquider votre pension française uniquement, bah, vous n'aviez pas le taux plein ou si vous avez travaillé ou si vous avez des périodes supplémentaires dans le pays de l'Union européenne. De même, on parle des durées d'assurance. En France, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de durée minimum exigée. Dans d'autres pays, c'est le cas, par exemple en Allemagne. Et bien là, pareil, si vous avez travaillé en Allemagne seulement et que vous n'avez pas le nombre de trimestres ou la durée d'assurance minimum pour avoir une retraite, et ben on fera un remboursement de cotisation. Par contre, si vous avez travaillé en France ou dans d'autres pays, et bien là, on ira totaliser vos périodes pour ouvrir votre droit et donc on pourra calculer une pension avec les périodes allemandes et les périodes françaises. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'harmonisation, mais il y a une vraie coordination pour bien protéger vos droits et permettre de garantir vos droits, même si vous avez été en situation de mobilité. Le but, c'est que vous n'ayez pas de désavantage à ce que vous ayez été dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays d'accord de sécurité sociale. Voilà, je laisse la parole. Merci Aurélie. Alors, j'ai une question de S. Madame S, bonsoir, française n'ayant jamais travaillé en France, mais toujours en Espagne, ai-je droit à une retraite française ? Donc, dans ce cas-là, si vous n'avez jamais travaillé en France et vous n'avez aucun trimestre, il n'y aura pas de calcul d'une retraite française et il n'y aura pas de coordination. Les règlements européens de coordination ne s'appliquera pas à votre situation. Donc, il faudra juste faire votre demande de retraite auprès de l'organisme espagnol, l'INSS en l'occurrence, pour toucher votre retraite. Mais voilà, les règlements dans ce cas-là ne s'appliquent pas puisque vous n'avez travaillé que dans un seul État membre. Je laisse la main sur une prochaine question. Oui, alors j'ai Raphaël qui me demande, voilà, bonjour. Si un pays rejoint l'Union européenne, la Serbie notamment, est-ce que les conventions retraite s'appliquent pour les périodes entamées de travailleurs travaillés dans ce pays? Sinon, comment se calculerait la retraite si on travaille par exemple 3 ans en Autriche, 5 ans en Pologne et 2 ans et demi en Serbie? Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle où je vous parle, la Serbie n'est pas, Raphaël le dit très bien d'ailleurs, n'est pas encore dans l'Union européenne. Elle a conclu un accord de stabilisation, de coopération qui sont les premières étapes à ce qu'elle rentre un jour dans l'Union européenne. Pour autant, il y a un accord de sécurité sociale franco-serbe, une ancienne convention, une nouvelle convention qui est en cours de négociation. Donc, les périodes travaillées, si vous preniez, on va prendre un exemple, si vous preniez la retraite aujourd'hui, je vous dirais aujourd'hui qu'on calculerait votre retraite en totalisant les périodes en France, en Autriche, en Pologne, dans le cadre des règlements européens de coordination, et on appliquerait la convention franco-serbe pour la partie France-Serbie. Si vous prenez votre retraite dans quelques années, au moment où la Serbie aura rejoint l'Union européenne, à ce stade, moi, je ne peux pas vous donner de date, je n'en sais pas, mais si à ce moment-là, elle sera dans l'Union européenne, et bien là, on aura une totalisation du tout, Autriche, Pologne, Serbie et France. Donc, il faut voir à quel moment on liquide la pension pour savoir quel texte on va appliquer. Voilà, je relaisse la main
et la parole surtout à Virginie. Merci. Alors, j'ai une question de Céline qui demande comment est calculée la moyenne la moyenne des 25 meilleures années seulement sur les années en France ou aussi sur les salaires perçus à l'étranger. Dans le cadre d'activités à l'étranger et en France, nous, on va apprendre les périodes qui nous sont transmises par l'État dans lequel vous avez travaillé, uniquement pour le taux et la durée d'assurance. Pour la moyenne des 25 meilleures années, c'est uniquement avec les salaires perçus en France. Donc, on ne va pas prendre en compte les salaires perçus à l'étranger. Voilà, donc il y a bien trois paramètres. Et dans le cadre de conventions et surtout des règlements, puisque dans certaines conventions, il y a des modalités un peu différentes d'application, mais dans les règlements européens de coordination et dans les dernières conventions qui ont été signées par la France, on va prendre ces périodes effectuées dans votre pays pour le taux et pour la durée d'assurance. Donc, les deux derniers paramètres, je n'ai plus la slide sous les yeux, mais vous la retrouverez. Voilà, ça vaut pour ces deux paramètres. Aurélie, pour une autre question. Je vais reprendre la parole. Alors, je vois que le temps défile malheureusement très, très vite. Hein. Nous sommes ravis d'être avec vous et on voit qu'on a encore beaucoup de questions auxquelles on peut répondre. Donc, malheureusement, vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de questions. Donc on essaye de répondre au maximum. Donc, je vois que le temps défile. Donc, on va essayer dans le délai qui nous est imparti encore de répondre à quelques questions. Je vais essayer de répondre très rapidement pour qu'on ait le plus de questions. Alors, on nous demande si les années travaillées au Royaume-Uni antérieurement au Brexit vont-elles compter pour les trimestres de retraite en France ? Oui, on peut vous rassurer effectivement que les années travaillées avant le Brexit, donc quand on parle de Brexit, avant l'accord de retrait, hein, que j'ai expliqué tout à l'heure, seront bien prises en compte pour le calcul de votre retraite en France. Donc, il faudra bien, au moment de la liquidation de retraite, comme l'a dit précédemment Virginie, au moment où vous allez déposer vos retraites, et ça, c'est dans tous les cas, hein, ce n'est pas que au Royaume-Uni, etc., c'est dans tous les cas, au moment où vous allez déposer votre retraite, de bien préciser les pays dans lesquels vous avez travaillé. Même si vous dites, ah, ça se trouve, il n'y a pas de convention, ou il n'y a pas… Il faut dire les pays dans lesquels vous avez travaillé pour que vous puissiez donner les éléments aux caisses françaises si vous déposez vos demandes aux institutions françaises, les éléments pour qu'elles puissent intervenir auprès des pays avec lesquels la France a un accord de sécurité sociale ou où il y a les applications des règlements européens de coordination. Donc, c'est très important de communiquer sur vos périodes d'activité à l'étranger, puisque on n'a pas forcément ces informations-là dans les relevés de carrière, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Virginie. Je relaisse la parole à Virginie. Merci Aurélie. Alors, j'avais une question de Dani Louise. Bonjour et merci pour cette présentation. Que se passe-t-il si je n'ai pas travaillé 25 ans en France pour le calcul de mes droits ? Il n'y a pas de durée minimum en France pour pouvoir toucher une pension de la sécurité sociale. Donc, il suffit d'avoir travaillé un seul trimestre en France et vous pourrez avoir la prise en compte de cette petite période dans le calcul de votre retraite. À partir du moment où vous allez travailler un trimestre, il y aura un calcul qui sera fait pour le paiement de votre future retraite. Il n'y a pas de durée minimum. C'est vrai que dans certains États, notamment certains États membres de l'Union européenne, je pense en Espagne ou en Allemagne, il y a des durées minimum de cotisation pour pouvoir toucher une retraite. En France, il n'y a pas cette condition. Il suffit d'avoir travaillé un seul trimestre pour toucher une retraite. Voilà peut-être les dernières questions, Aurélie. Alors, je vais prendre effectivement la dernière question. Alors, on demande si être affilié… Alors, à la CFE, c'est être affilié à la Sécurité sociale. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. La CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger. C'est alors une caisse qui vous permet de vous assurer à différents risques, et notamment pour le risque vieillesse. Ils ont un site internet avec un certain nombre d'informations qui est très bien fait, mais la CFE, comme je vous l'ai dit, donc Caisse des Français de l'étranger, qui vous permet de vous assurer un risque vieillesse, puisque là, nous parlons de la retraite, et surtout qui vous permet, notamment dans des pays où vous êtes hors convention, particulièrement où vous avez été affilié à un régime local de sécurité sociale, qui est un régime qui n'est pas forcément la même protection que le régime français. Il est évidemment très intéressant
de cotiser à la CFE pour vous garantir des droits à la retraite, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous allez dans un pays hors convention, il n'y aura pas de totalisation des périodes, vous n'aurez qu'une pension donc, du côté français, selon la législation française, et vous aurez, je mets des guillemets, hein, une pension potentiellement du pays là où dans lequel vous avez travaillé, mais selon la législation de ce pays. Et effectivement, dans certains pays, la législation et les garanties ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. D'où l'intérêt pour ces pays-là de bien vous renseigner et de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. Donc, avant vos projets d'expatriation, pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne sont pas expatriés, parce qu'on parle de retraite, mais c'est important même de savoir dans quel pays on va travailler pour plus tard, pour savoir comment sont pris les périodes en compte. Il est important de vous renseigner avant de partir, de bien vous renseigner dans le pays où vous allez pour savoir quels sont les textes applicables, quelles sont la législation et quelles sont les protections et comment sont prises en compte vos périodes. Et ça, bah, vous allez surfer sur le site du CLES et vous aurez toutes ces informations-là. Il ne faut pas oublier que la vidéo, le webinaire est enregistré, donc vous retrouverez bien toutes les informations parce que je vois qu'il y a des questions où on nous demande de rediffuser les slides, mais vous aurez le webinaire qui est enregistré et vous le retrouverez sur le site YouTube du CLES. Donc, pas d'inquiétude, hein, vous retrouverez toutes les informations, les questions auxquelles Virginie a répondu, moi aussi, et vous aurez toutes ces informations. Je laisse la parole à Virginie pour la dernière question, malheureusement, mais je laisse la parole. Oui, une question de Benoît qui nous demande si au niveau de la CNAV, des services support, il y a des services support en langue étrangère quand on doit contacter directement les pays où on a travaillé mais dont on ne parle pas la langue. C'est tout l'objectif, j'ai envie de dire, de la coordination et des conventions internationales, c'est que vous n'avez pas besoin de parler forcément la langue du pays puisque c'est quand vous allez faire votre demande en France, vous allez dire, bah, j'ai travaillé, je ne sais pas, en Argentine. Vous n'avez pas à faire cette demande également en Argentine. C'est nous qui allons nous en charger. On va remplir, voilà, il y a des documents, puisqu'il y avait une question sur comment on échangeait entre organismes. Il y a un document très formel qui existe, qui est connu de nos deux États. Donc, on va compléter. On va dire que vous avez travaillé en Argentine. On va l'adresser à l'Argentine. Et l'Argentine va nous transmettre tous les éléments dont on a besoin pour prendre en compte cette période effectuée. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de parler la langue du pays pour pouvoir faire votre demande. L'objectif de cette coordination, quand il y a une convention, quand il y a des règlements qui s'appliquent, c'est que bah, c'est l'organisme de retraite en France qui va se charger de faire la liaison avec l'autre pays. Par contre, sur les pays avec lesquels il n'y a pas de convention, là, il va falloir certainement que vous ayez quelques rudiments dans la langue du pays pour pouvoir faire votre demande éventuelle dans le pays dans lequel vous avez travaillé. Voilà pour la dernière question. Voilà, donc c'était les dernières questions. Le temps est passé très vite. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir avoir répondu à toutes les questions. On espère qu'on a balayé au moins avec les questions auxquelles on a répondu un certain nombre de situations. On vous remercie en tout cas d'avoir été si nombreux à ce premier webinaire. On est ravis de vous avoir eu si nombreux. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le webinaire, vous le retrouverez sur la chaîne YouTube du CLES. Vous pouvez également retrouver un certain nombre d'informations, une mine d'informations sur le site du CLES, www.cles.fr. Vous avez des foires aux questions sur des thématiques, vous avez de la documentation, vous avez bien sûr les textes applicables, vous avez un onglet particulier avec des situations, vous partez à la retraite, vous partez en voyage, etc. Donc, un certain nombre d'informations. Voilà, j'étais ravie d'être avec vous, d'avoir passé cette heure avec vous. Je vous dis au prochain webinaire. Hein, et puis je vais laisser la parole à Virginie qui va aussi conclure. Merci à vous en tout cas et à très bientôt. Et très bonne fête de fin d'année. Donc, je reprends. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez très nombreux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être un peu frustrées. On n'a pas pris leurs questions, mais il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Après, vous avez, Aurélie vous l'a dit, voilà, pas mal d'informations sur le site du CLES. Vous avez également le site de l'assurance retraite où vous pouvez trouver des informations en fonction de votre statut. Soit vous êtes encore actif et vous avez travaillé dans un pays étranger, vous avez vraiment... Dans le petit onglet actif, j'ai travaillé à l'étranger, vous avez vraiment toutes les modalités de calcul, les pays, en fonction des pays dans lesquels vous avez travaillé. Vous avez cette page-là dédiée, on va dire, aux actifs. Et vous avez vraiment une page dédiée aux retraités sur notre site Internet. Vous avez toutes les modalités si vous voulez partir à l'étranger pour votre retraite.
voilà ce qu'il faut faire, les changements éventuels d'adresse, de coordonnées bancaires et les formalités du certificat d'existence avec la petite carte interactive qui va vous faciliter pour savoir auprès de qui faire compléter votre certificat. Donc voilà, beaucoup d'informations. Et puis vous pouvez également revoir le webinaire sur la chaîne YouTube du CLES. J'espère à très bientôt pour un prochain webinaire et puis pour pouvoir répondre aux autres questions. Et je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.